Aujourd'hui, je viens vous déranger pour un détail du détail que j'appelle la part de personnel. La part de personnel, oui ou non. On arrête ou pas, on commence quand Ce qui rend une décision difficile à prendre, c'est la balance entre la part de personnel et la part de raison. La part de raison comprend l'expérience dont le temps peut nous faire cadeau avec un peu de patience quand la part de personnel serait l'ensemble de ce qui constitue notre bagage émotionnel, notre rapport avec l'amour, notre notion du bien du mal, dictée par une éducation qu'on ne refait pas. Ce n'est pas le front contre le mur que l'on fait face à une situation. C'est d'abord avoir le ballon au pied, puis pouvoir reculer de 100 pas, toujours un œil sur le ballon mais l'autre sur le terrain. Et de suite comprendre que peu avant, on manquait de raisonnement et que par conséquent, même avec les 100 pas effectués, vous manquez peut-être encore de recul. Pour faire la part des choses au plus juste, il faut certes des compétences techniques, mais aussi des connaissances. Car si l'on ne s'en tient qu'à la technique, il n'y a plus rien d'humain et nous rentrons dans la froideur au détriment de notre part d'humanité. C'est en amour que ce sujet atteint son paroxysme. Comment jauger avec justesse la part de personnel et la part de raison à partir du moment où l'on sait que l'amour a ses raisons et que, dans le même temps, on ne fait rien de bien sans lui, même le mal. Par exemple, cette affreuse phrase ⁇ Je fais ça pour ton bien ah. ⁇ L'excuse triste de ces personnes qui demeurent convaincues de l'aide qu'ils apportent par le mal qu'ils font. Voilà pourquoi je ne prends aucune décision sous la colère, encore moins sous la panique. Le côté obscur de la force est toujours mauvais conseiller. J'ai toujours regretté son écoute, dont le pire venin est la vengeance. La seule façon de trouver un équilibre salvateur est de tirer des leçons des dernières décisions que vous avez prises, vous. J'insiste sur le vous, car ne pas choisir, c'est décider que quelqu'un le fasse à votre place. Alors pour le bien commun, trouvez la bonne part des choses, et vous resterez à l'abri des remontrances, car non seulement vous serez rassasié, mais personne n'aura le droit de se sentir lésé autour de vous. Super. Merci.